Donc je m'appelle Arnaud Dupont, je travaille chez Roquette depuis 14 ans et actuellement je suis responsable de production. Ce complexe industriel est à mon sens l'un des plus avancés en Europe par la diversité des produits, mais également parce qu'on c'est ici qu'on a un centre de recherche de 250 personnes qui développe ces nouveaux produits et qui met en œuvre, d'un point de vue industriel, ces nouveaux produits. Concernant les produits qui sont fabriqués, on en fabrique énormément. Ils sont tous issus du végétal, hein, une base soit maïs, soit blé, et on va en fabriquer plus de 700 sur le site. Parmi quelques produits qu'on peut citer, ceux qui sont les plus récents et qui a trait à la chimie du végétal, c'est-à-dire des biopolymères ou alors des éléments qui vont être constitutifs de plastique. Donc Roquette, c'est 2800 employés qui sont répartis en fait dans un rayon d'une trentaine de kilomètres, c'est-à-dire que tout le monde dans les environs connaît Roquette, tout le monde parle Roquette. Il y a d'ailleurs énormément de familles qui sont, on va rencontrer les frères, les enfants, les oncles et les cousins qui travaillent dans la société. L'apport de la société Roquette sur la commune de Lettrem est essentiel puisque au travers de son activité, qui nous apporte une prospérité certaine sur la commune. Alors, au travers de l'implantation de Roquette, qui est majeure sur notre territoire, viennent se greffer d'autres entreprises artisanales, généralement sous-traitants de Roquette. Et pour ce faire, la communauté de communes et la commune de Lettrem réalisent des zones d'activité permettant l'arrivée de nouvelles entreprises sur la commune. Je dirais que l'entreprise Roquette, en termes de leadership, permet d'attirer d'autres entreprises intéressantes sur notre territoire. Je suis extrêmement confiant en fait, dans l'avenir de Roquette. Déjà par la matière première qu'on utilise. C'est une matière première qui est renouvelable. Hein, et je pense qu'effectivement, cette bioraffinerie va apporter des solutions à de nombreux problèmes qu'on risque de rencontrer dans le futur.